Qu'est-ce que vous allez tirer de cette année de Coupe de France? Écoutez, que du bonheur, et puis, étant, soyons honnêtes, les finances du club vont pâtir, enfin bon. Ah ouais, combien ils vous laissent ce soir le PSG alors? Ça fait combien à peu près? Écoutez, environ 200 000 euros, il n'y a rien à cacher parce qu'ils ont été formidables. C'est hein, bien 200 000 quand même, c'est un petit chèque. Mais comme vous dites, c'est pas. S'ils en veulent nous en mettre un deuxième, on le prendra. Mais non. sincèrement, ils ont été très respectueux et je tiens à le dire, même les joueurs, enfin tout l'encadrement, tout le PSG. Le PSG sont des gens bien et ils méritent le standing qu'ils ont. Oui, parce que certains vont dire oui, mais pour eux, 200 000, c'est un pourboire. Oui, mais quand on a l'occasion d'être élégant et qu'on l'est, peu importe ce que ça représente en fait. On est bien d'accord. On est bien d'accord. Dans les tours précédents, on vous avait laissé la part de recette aussi ou Exactement, le Racing Club de Strasbourg, qui sont des amis, Marc Keller, notamment, et Pierre Schmitt. Ce qui est très bien aussi, c'est un club élégant. De Ligue 2. Ce sont des gens bien. On avait dealé, on les a invités chez la mère Poulard, et puis derrière, ils ont laissé la recette. Si vous allez les faire picoler avant les matchs, c'est sûr que. La mère Poulard, si vous permettez, c'est plus que c'était. C'était un peu en baisse, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Oh, c'est pas tout à fait mon avis. C'est pas bien de dire ça. Le Mont Saint-Michel est le deuxième monument le plus visité en France. Ça a été un peu mieux hein, quand même. je vous invite comme ça on fera. Vous verrez. Ça j'adore cet endroit. Bon, le Mont Saint-Michel, hors saison, hein, parce que il y a trop de touristes, hein, sinon.